par le passé on a osé user de techniques marketing en vous tisant le contenu de cette émission et comme on tient à fidéliser le client euh, le spectateur le, le, le client le, le patient pardon on tient promesse et on s'attelle aux liens particuliers que la publicité entretient avec le monde de l'art la publicité n'est-elle pas après tout un art comme les autres semblent dire les grands cadres décorés façon peinture classique pompière du métro parisien par exemple c'est ce qu'on va se demander c'est autant la posture de l'artiste publicitaire que le contenu qu'on abordera ici, et on ne montrera pas tous les clips en entier vu la longue durée des objets convoqués. On n'analysera pas toujours en détail, mais on cherchera à extraire un sens général. Tout commencerait donc il y a fort longtemps avec la marque Magie. Parmi les premières multinationales dont on peut lire ici et là que le célèbre bouillon cube serait à l'origine de l'appellation du cubisme, tant il est vrai que divers artistes célèbres se livreront corps et âme à la publicité pour le bouillon cube, comme des critiques le disent visiblement déjà début XXe siècle. Même chose pour le dadaïsme, dont l'hypothèse reste ouverte d'un nom inspiré par la lotion capillaire dada de Bergman et compagnie à Zurich, ville de la création du mouvement. Le mélange des genres ne daterait pas d'hier, mais des débuts de l'industrialisation et de la publicité à grande échelle, donc. Ceci étant, ces rumeurs sont peut-être répandues par les compagnies intéressées, du moment qu'il y a de la gloire à prendre. Maintenant, retour au temps moderne, avec un spot de 5 minutes, diffusé en 2013 au cinéma, quand les lumières s'éteignent, entre les bandes-annonces et les publicités, place idéale pour un pseudo-court-métrage à l'allure de longues bandes-annonces, et qui est, vous l'aurez deviné, une publicité au format proche du court métrage slash publicité pour Intermarché déjà analysé dans une émission précédente, avec toujours ce thème du conte de fée love story entre la marque et son client, coup de foudre à base de Prince Charmant auquel on consacrera une émission bientôt promis, juré, craché dites le si on en fait trop. Bref, ici on n'est plus du tout dans le petit film français mais dans le grand spectacle américain au budget de quatre millions d'euros, à l'orientalisme suranné pour la marque Guerlain et le parfum Chalimard, on n'est plus dans la chrétienté façon Moboussin ou Dior, on tire ici plus vers l'exotisme hindou avec le clip « La légende de Chalimar » pour dire encore une fois le poids du conte bien digéré dans l'imaginaire hollywoodien, mais c'est aussi inspiré d'une histoire vraie, l'histoire du Taj Mahal, mausolée dédiée à son épouse Persane par un empereur moghol, ici Natalia Vodianova en princesse indienne venue d'Iran, « White Bashing quand tu nous tiens ». En publicité pour parfum, la séduction semble plus logique qu'en publicité pour du café, mais on n'était pas non plus obligé d'enfoncer le clou à base de top modèle contorsionnés se mordant les lèvres, et ici, comme chez Intermarché ou Senseo, madame se la coule relax 17 siècle, attendant au boudoir pendant que monsieur Crapahute et ramène le salaire à la maison, bordel, c'est pas une vie, ça. Bref, éléphant conquérant, sexe, action, musique épique, poussière d'or et apparition magique. Rencontre à moitié dans un rêve, façon Peter Ibbetson, ou la fameuse chanson. Il était une fois. Encore le... En gros, ici, il y a tout ce qu'il faut. Que demande le peuple Ben, apparemment, autre chose. Il suffit pas de court métrage toujours plus long et imposant, de reprendre le symbolisme d'un Prométhéeus, les images du film Alexandre et ses yeux de Cole surmaquillés comme ceux aussi de Prince of Persia. Ou encore la caméra roulante de Terence Malick pour plaire aux cinéphiles qui, visiblement excédés d'images trop pleines et léchées, ont plus d'une fois au cinéma hué ce bijou de luxe et volupté. Des animaux saillants, des pauvres et des riches au ralenti, ralenti sur ralenti sur glow pour une image au piqué quand même toujours impeccable et montée en puissance dramatique d'une bo de blockbuster type Hans Zimmer avec Taj Mahal Falik Monsieur pour barque fendue Madame. Le tout sans doute toujours inspiré d'une histoire vraie. Bien sûr, aucun esclave n'a été blessé durant la construction de ce clip. Soit dit en passant, ça va sans doute vite rouiller tout ça. Et s'il se décarcasse autant pour ses autres épouses, ça va aussi vite faire cher. L'amour exclusif n'étant universel et intemporel qu'en publicité. Bref, grandiloquence sans mesure n'est que ruine, tout court. C'est pas toujours la taille du porte-monnaie qui fait la différence. Des fois, en publicité, il vaut mieux faire appel à des artistes connus. C'est pas forcément fantastique. Mais c'est parfois mieux accueilli par les spectateurs, euh, les clients. C'est ce qu'on va voir avec cette campagne de Nike autour de l'artiste musicienne FKA Twigs, aux affiches qui recouvraient entièrement certaines stations de métro parisien, ainsi que ce clip vidéo qui là aussi sent bon l'orientalisme fantasmé.

Déjà petite, je savais que j'étais spéciale. Je devais réussir. Pas de compromis. Avec un appel à la confiance. Tu as confiance en moi. You to trust. trust in me pour refrain répété en guise de mantra hypnotique. Hey, et bien sûr, ici l'idée de make a difference. C'est en l'occurrence se démarquer en bossant pour une marque normalisante à portée mondiale. Chorégraphie synchro ici et là de groupes monolithiques à la radicalité gestuelle mi-militaire mi, mi danse moderne. Réverbération hypnotique avec effet sensuel. Poitrine bombée sur son de simili battement de cœur. Effet tribal et divin à la Shiva entre deux chaises. Would you trust in me? Do you believe in more? Alors bon, comme ça à première vue, je dirais plutôt non. Surtout avec ce bandana là. Please. Trust me. Carte blanche est donc donnée à l'artiste pour s'exprimer telle qu'elle l'entend. On est face à une auteure-compositrice-interprète-productrice et danseuse qui participe à la réalisation de ses clips, dont les critiques chantent les louanges et on peut lui reconnaître un talent formel, une technicité, un univers particulier voire dérangeant à la couleur pseudo-subversive, même si « sexe et violence », c'est aussi un cliché du récit vendeur lambda, Hollywood en tête. Rien d'étonnant alors à ce que Nike fasse appel à elle, à l'instar d'autres marques auparavant, et pas des moindres, Apple, Calvin Klein, la veuve Clicquot pour une installation d'art contemporain, mais aussi Google pour une publicité Google Glass à l'imagerie futuriste cliché aseptisé THX, ou comme ces clips de la fin des années 90 sur fond noir ou blanc éthéré magique, à base de In, In et de Deep Inside. Deep inside. Bref, vague orientalisme pour odalisque contorsionné, écran dans l'écran, miroir de salle de danse et titre alicéen, through glass, à travers le miroir, Alice, donc rêve ou cauchemar, libération et noirceur, lunettes qui dirigent la danse appelant divers sports et disciplines, crump, gymnastique, ruban, danse moderne, yeux dessinés sur la paupière, vos yeux à votre place, façon Cocteau qui taille déjà l'image de la nuit de la publicité en 1952, mais ici en plus corporate. Même le surréalisme trouve grâce aux yeux de la réclame, c'est dire si elle ratisse large, mais après tout, la publicité c'est la surréalité par définition, la folie en images matraquées. Enfin, rappelons aussi simplement que FKA Twigs est quand même un peu une superstar. Belle fenêtre de visibilité en plus, à coût de 20 millions de vues par clip. Les grandes marques qui font appel à des artistes, c'est pas nouveau. Nike laissait même, paraît-il, courir la rumeur que des artistes ou sportifs comme Michael Jordan les payaient pour apparaître dans leur publicité, tellement Nike c'est classe, surtout pour les pauvres. Avec FK Twigs, on est sans doute dans l'industrie qui récupère l'underground. Tatouage, ancienne marque des bagnards devenue hipster. Piercing, qui, hormis à l'oreille, signifiait bad boy il y a à peine 20 ans. Et encore là, c'est juste à l'arcade, piercing accepté aujourd'hui d'une classe sociale commandant des sushis, underground de façade donc. Sauf qu'ici, l'artiste en question a déjà ses codes au départ, et on peut noter que la campagne publicitaire de son premier album sortait déjà du lot, avec des affiches disposées dans les rues de Paris sur des façades, hors du circuit habituel. Tête de l'artiste dans un graphisme assez innovant, image énigmatique sans titre ni date, pas un mot, à l'instar de la marque japonaise Muji signifiant littéralement pas de marque. Et sans logo sur leurs produits, on joue donc sur le mystère et la curiosité du passant lisant les unrocks, qui s'empressera de prendre en photo et poster sur Instagram, achevant le circuit d'un petit entre-soi. L'image circule, c'est le plus important. Campagne effectuée par l'agence de communication Urban Act, sous-titrée créative, transgressive et responsible media, logique d'un street art réapproprié, vidé de son sens contestataire, que Banksy dénonçait déjà dans le film Faites le mur. In the prices Agence de publicité transgressive, novel langue explicite, effectivement cela agresse la vision du citoyen. Ici, il faut transgresser l'espace publicitaire désuet, aller plus loin que ces publicités de métro encadrées telles des tableaux classiques mais vieillots. On rejoue et on refait l'histoire du graffiti mais avec de l'argent derrière et tout de suite ça sent moins bon. Avec le graffiti, c'est le citoyen qui, par un acte contestataire plus ou moins conscient, s'oppose à un État qui, le cas échéant, le condamnerait pour cet acte. Ici, la transgression est inversée au profit de marques aussi variées que Coca, toujours dans les coups fourrés celui-là, Adidas, Nike donc, et j'en passe, mais aussi La Croix-Rouge et Action contre la faim pour le côté responsable évidemment, même s'il faut s'accrocher pour les trouver au milieu des Orange, Warner, Blizzard, Gucci, Givenchy, HM, KFC, Disney, Activision, etc. etc. Détournement de plaques de noms de rue aussi, suivant une philosophie de guérilla, c'est eux qui le disent, contre l'affichage publicitaire classique saturé, ça vient toujours d'eux, qui ne leur laisse plus l'espace pour s'exprimer, se différencier, les pauvres, et les oblige donc à penser la rue comme un média libre, à la potentialité infinie. Vocabulaire bien travaillé, déjà l'idée d'accoler solution et publicitaire, ça donne le ton. Puis communication nouvelle et alternative, expression libre, différemment, différent, transgressive aussi. Bref, tout le lexique de la musique et de l'art alternatif, indépendant, terme stipulant normalement que la production s'effectue en dehors des grosses boîtes de production. On trouvera aussi les mots comme valeur, éthique. Rien que le nom Urban Act mêle activisme d'une boîte de communication à urban, terme à la connotation souvent underground. Ici, on affirme fièrement des valeurs et on fait passer Coca-Cola, Burger King et consorts pour trendy, cool, transgressif, renversement du langage ahurissant, plus c'est gros, plus ça passe, notamment lorsqu'on se fend d'une fresque monumentale en façade d'immeuble dans le 10e arrondissement de Paris. En l'occurrence, la mairie réagit, ce qui nous semble normal, contrairement à ce que nombre de riverains semblent penser, nous, on est ravis que les autorités légales prennent ce type de délit à bras-le-corps, mais on peut voir une limite dans la proposition d'installer une œuvre de street art sur la partie haute du mur, qui coûtera probablement cher à la ville, les punitions légales étant peu dissuasives, et Reban en l'occurrence devant certainement payer assez cher pour que, risque d'amende compris, l'agence Urban Act choisisse de le faire. En même temps, c'est un délai de 15 jours pour retirer l'affiche, avec seulement 200 euros de pénalité par jour à partir de là. Bref, pas de quoi se priver d'une campagne juteuse et du buzz, comme le dit même le parisien, impunité tranquille. Côté activisme engagé de leur part, il y a aussi cette opération marketing hautement subversive dans laquelle de jeunes femmes effilées quatre roues motrices coloris rouge satiné vantent la ligne élancée, les courbes avantageuses, les charmes même, c'est eux qu'ils disent, de l'alpha Brera par Roméo, A féminin, O masculin s'adressant uniquement à des hommes en costard-cravate plutôt âgés, dans des quartiers plutôt chics, enfin surtout très chics. On va pas vous gâcher le spectacle, c'est de la folie pure, il suffit d'aller voir n'importe quelle commande qu'ils ont effectuée, chacune bien documentée sur leur site, ça vaut le détour. Bref, FKA Twigs et son affiche simili-sauvage, c'est entre deux os, minimaliste et voyant, explicite sans rien dire, etc. À l'instar de ces nouvelles campagnes type McDonald's, qui n'affichent qu'une photographie zoomée, presque de l'intérieur du produit, sans aucun nom ni logo nécessaire, tant ils occupent déjà tout notre imaginaire. Position d'hégémonie indiscutable. C'est donc sans surprise que Nike, parmi les premiers à n'avoir laissé que leur logo, sans leur nom, fait appel à FK Twigs, à la production cool, arty, travaillée, bien sûr qu'ils lui font confiance, c'est déjà le produit parfait pour eux, la idéal idéale pour une meute urbaine branchouille et pour les pauvres qui salivent. Mais bon, tant qu'on élude la question récurrente et embêtante à la fin du travail des enfants, en Asie, Amérique du Sud, derrière nos pompes à 200 dollars, tout est bon à prendre. Et après tout, ils sont pas forcés de travailler pour trois francs six sous dans des pays en crise, misère ou guerre. Ils n'ont juste pas le choix, puisque les grosses entreprises étrangères implantées dérégulent ce qu'il reste d'économie nationale et accaparent tout. Bienfait de la colonisation, mon amour. Oh, et puis, c'est jamais Nike ou Disney, entreprise reine du non-respect du droit du travail international, eux ils commandent juste à des sous-traitants en disant qu'ils ont intérêt à respecter leurs valeurs et leur éthique, et quelle éthique, tout en fournissant une masse de travail qui oblige des journées de dix-huit heures, entassées en atelier, mais bon, eux, ils y sont pour rien, ils commandent, c'est tout. S'il y a des sous traitants plus compétitifs que d'autres, ils prennent, c'est le jeu, la loi du marché, de la jungle, la loi tout court, le reste ne les concerne évidemment pas. Et puis au Chili, Cambodge ou Chine, que sais-je, femmes et enfants ont un organisme à la résistance surdéveloppée aux produits chimiques et à la poussière de laine qui abîmerait yeux et poumons, qui créerait des déformations et troubles de croissance chez des gamins normaux, mais certainement pas chez ceux-là, élevés à la dure, robuste version améliorée à courir derrière un CDD pour essayer d'atteindre le niveau des pauvres des pays nord, les braves petits. Bref, des produits faits pour des enfants riches et pauvres, par des enfants ultra-pauvres. C'est à ce prix là qu'on bouffe du goodies à Disneyland et qu'on flotte en Nike Air, et c'est aussi ce que défend Infine, un artiste qui fait leur promotion. Mais il est aussi possible que FK à Twigs ne se soit pas posé la question, ou pas en ces termes-là, que sa culture personnelle ne la porte pas spécialement à la critique industrielle, que même si on a tous une certaine idée de l'arrière-boutique Nike, plus ou moins tout le monde accepte de jouer le jeu, et qu'ils ont sûrement des arguments massus en termes de visibilité et monétaire, bref autant d'arguments qui peuvent expliquer l'implication d'un artiste auprès d'un tel groupe industriel. FK Twigs a peut-être plus l'odeur de l'underground que le goût et semble avoir parfaitement intégré la mentalité libérale. En témoigne son interview j'ai sélectionné un groupe d'athlètes incroyables qui prennent leur corporalité au sérieux et ont leur propre idée du style afin d'inciter les gens à avoir une bonne hygiène de vie et à comprendre par l'intermédiaire de tout type de sport qu'elles peuvent devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Babillement Nike typique, on n'aurait pas fait mieux si on avait voulu... Je suis le contraire d'un artiste engagé. Je suis un artiste dégagé. Ou l'artiste engagé dans un engrenage mortel où visibilité et contrat l'emportent. Ajoutons à ça le mécénat autrefois venu des rois, princes et ordres religieux que les compagnies internationales valent bien. La carte blanche de Nike à une artiste très voyante, c'est autant d'attention accordée en plus à un aspect positif de leur image, et autant d'espace visuel et de terrain mental grappillé sur la réalité lugubre du major. Si on enlève le professionnalisme de la réalisation, si on passe d'un extrême à l'autre en somme, mais en gardant la mentalité, on n'est pas si loin avec FK Twigs, de Damien Jean, artiste protéiforme lui aussi, réalisateur, monteur, acteur, danseur, etc. Et artificier de formation, comme on peut le voir. Tous les codes sans la réussite, mélange de Goldman et To Be Free, pot pourri de clichés en plus populaire, voire un peu beauf, avec sa vie fantastique de rêve à faire des tours de périph' en BX en reluquant des culs zoomés à coups de grand écart facial Vandamien de Jean Damien. Bref, encore un type à qui on a envie de faire confiance. Mais il a aussi quelque chose de touchant. C'est maladroit et fauché, donc sûrement un minimum sincère. Et d'ailleurs, on n'est pas si loin non plus d'un Pascal Obispo ou Florent Pagny. La gloire, ça se joue parfois à trois fois rien. Pour reciter des proges, la différence est mince entre une beauté et un boudin, parfois millimétrique. Le choix du double prénom, par exemple, semble assez annoncer la queue du peloton à l'instar d'Alexis Cyril, avec plus ou moins de second degré, Christophe Michel, Damien Jean, Pierre Pascual, plus sérieux et maîtrisé, et bien sûr, Pierre Jean-Pierre, parmi les vedettes de star, ou les innombrables Jean-Michel de cadet Olivier. Mais encore une fois, retour à la publicité. Ce qui peut aussi faire la différence entre deux courts métrages publicitaires, et on va parler de courts métrages publicitaires pour parfum en l'occurrence, c'est parfois la star ou l'artiste. Dior et sa Charlie Sterone immaculée. Chanel qui nous fait régulièrement le coup de l'histoire d'amour cliché avec différentes stars, court-métrage réalisé par Baz Luhrmann avec Nicole Kidman, Jeunet et Audrey Tautou, Joe Wright avec Keira Knightley, etc., histoire de reproduire les conditions du succès de ces réalisateurs avec leur actrice phare. Bon d'accord, on l'a vu, aujourd'hui Christian Dior fait dans l'occulte, la vidéo publicitaire Dior j'adore, The Future is Gold est une subliminale sublimation du nouveau monde et du futur tel que les veulent les satanistes. Mais effectivement, Christian Dior préférait le nom moins sombre David Lynch. Quant à Christian Dehors, on ne lui demande même pas son avis. Lynch, qui arrête le cinéma, trop publicitaire et pas assez libre, réalise pourtant un court métrage pour Dior donc avec Marion Cotillard en Égérie. On note les similitudes avec Chalimar, héroïne occidentale d'une publicité pour parfums féminins se passant à l'étranger, colonialisme diffus au prince charmant étranger romanesque, particules d'or ou éclats lumineux au gré du vent et tours fièrement dressées, objets magiques, voyage dans le temps. XVIIe siècle indien ou Année 30 iconique de la concession coloniale de Shanghai, Love Story improvisée, puisqu'au fond, évidemment, c'est du souvenir de l'homme et du parfum que Madame tombe amoureuse, parce que le souvenir, effectivement, pour illustrer quelque chose d'aussi abstrait et peu graphique qu'une odeur, ça marche apparemment pas mal. Bref, tout ça, c'est encore et toujours de la bleuette, en veux-tu, en voilà, même si t'en veux pas d'ailleurs. Il s'agit pas juste d'aimer une marque, il faut encore tomber amoureux du produit. Caissière ou flacon, qu'importe, pourvu qu'on ait l'ivresse, et même la noirceur de ce court-métrage, qui, proposé à Dior par quelqu'un d'autre que Lynch, aurait sûrement été refusé. Ce qu'on achète ici, c'est pas tant le réalisateur que son renom, le mystère qui l'entoure, l'image de l'artiste maudit à succès. La lèche technique de Chalimard laisse place ici et là au brouillage plus cérébral des images du Lynch d'Inland Empire, d'un ou même d'un Alain Cavalier à la caméra légère. Bref, Lady Blue Shanghai de 2010, Le Comte de Fée et chalimard de 2013 se ressemblent, mais Lynch fait ici manifestement une différence. C'est peut-être à ça qu'on reconnaît un artiste, comme disait Truffaut au sujet de Jean Renoir, qui n'a presque réalisé que des commandes, en en faisant chaque fois des œuvres éminemment personnelles. Quel que soit le produit, on reconnaît la patte, même si ici, tout est tourné autour de la marque et ça se sent. L'imaginaire que déploie Lynch a moins de force, comme cette rose bleue gimmick, voire auto-parodie de Twin Peaks. Dans un film de Lynch, on ne sait pas pourquoi l'objet mystérieux est là, l'esprit s'agite et y cherche un sens, ou se laisse embarquer dans l'expérience onirique, mais ici le sac Dior apparaît parce que c'est une publicité, et ça fait manifestement une différence aussi. Lynch, qui s'était déjà frotté à la publicité à maintes reprises, notamment avec les personnages de Twin Peaks, How about a couple of georgia coffees while we think about it? hooper Hawk, you're gonna love georgia coffee It's brewed rich, incredible. ou encore avec barilla roi de la publicité cinéma à coups de stars type depardieu paul newman en acteur et Fellini, ridley scott et donc david lynch à la réalisation vous m'en direz des nouvelles Mais il y avait aussi cette publicité pour PlayStation 2 où on retrouve clairement sa patte. interpelle, et ça n'est plus tellement pour le renom, mais bien pour son empreinte qu'on fait ici appel à lui, car impossible de savoir qu'il est derrière cette publicité si ce n'est en cinéphile observateur. Publicité qui se veut décadrée, mais dans le cadre télévisuel tout de même, underground mais pas trop, provoquant juste ce qu'il faut pour viser l'adolescent, nouvelle cible du jeu vidéo à l'époque. Côté réclame PlayStation pour ado voulu cool et provocatrice, il y a aussi celle de l'artiste vidéaste Chris Cunningham, connue pour son travail avec Afex Twin, par exemple, voulue au moins aussi dérangeante. À l'époque, on se demandait si cette fille existait ou si c'était une retouche. Visage qui rappelle celui de fK Twigs dans son clip Water Me, à la déformation subtile, mais 20 ans plus tard, on paye Chris Cunningham pour décorer une publicité sur un monologue qui parle de nature humaine et quête d'univers intérieur nouveau. Sur un slogan type Sega c'est plus fort que toi, ou ici peut-être plutôt Ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Force, puissance, balèze. Tu deviens comme moi balèze 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 Balèze, 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 balèze Peut causer des dommages irréversibles au foie et au rein. Au moins ce sont des publicités dans lesquelles on ne voit pas l'objet vendu. Ça a le mérite de sortir du carcan habituel des réclames pour yaourts aux vrais gros fruits. Ou sans matière grasse, avec ici une machine puissante pour adolescents voulant être à part, trouver sa différence dans le cadre bien défini des marques, guerre des récrés entre Nintendo, Sega ou Microsoft et Sony, Mac et Windows, etc. Cliché d'adolescents qui voudraient être différents et comme tout le monde à la fois. Ici, comme avec Nike ou McDonald's, le logo et la marque sont en retrait. C'est encore une posture élitiste qui peut faire illusion un temps, mais au final le but reste le même faire parler de soi et qu'on se rappelle de la marque. D'ailleurs, dans le style sous-lynch en mode road trip dans le désert, tout en boucle temporelle façon quatrième dimension, on trouve ce court métrage réalisé par Stephen Friars pour Volvo en 2004, peut-être précurseur dans son genre, qu'on pouvait aller voir sur leur site après avoir vu la bande-annonce à la télévision en spot publicitaire classique de 30 secondes sin so drove out east on route v 15 who are you i was just asking myself the same question who are you you'll figure it out If i look real close i'm right there didn't you just run off the other way he was another me whatever happens don't turn back un clip avec Robert donnet jr pré Iron Man en pleine traversée du désert donc bref si le souvenir d'un homme peut vendre du parfum Quoi de mieux que du road movie pour vendre une voiture. Ici c'est Voyage dans le temps classique usé jusqu'à ce que moelle s'en suive, style Armée des douze singes, La jetée ou encore Prédestination, Interstellar, Triangle en plus récent. Vision du voyage dans le temps fataliste pas si loin du discours néolibéral type, c'est comme ça que le monde tourne ma petite dame. Vous voyez bien qu'on ne peut pas faire autrement, même si on essaye de changer, ça sera toujours pareil. Mythe du destin, prédestination sociale, obéissance implicite, voire divine. Mais bon, encore une fois, on cherche peut-être trop loin. Le dispositif était novateur à l'époque en utilisant Internet et le court métrage intéressant, quoique ça n'aille pas loin dans son récit non plus. Ici, Find Confidence. I'd found confidence. Trouver confiance en soi sonne comme un slogan. L'homme reprend confiance après un voyage initiatique débutant sur un individu lambda trentenaire mais charismatique, c'est-à-dire belle gueule, et la quête fait vite place à la dépression, à la boisson pour mec viril qui noie son chagrin au bar après avoir perdu sa bien aimée voiture. Ah non, en fait, il ne boit pas d'alcool, ça reste une publicité. Faut pas abuser. Exultation après avoir trouvé la réponse à un mystère symbolique et donc la confiance. Confidence en anglais, retrouvé in fine, publicité pour cible masculine classique de l'homme qui doute mais se reprend, exprimant sa joie en une légère euphorie et sagesse en fin de course, même plus besoin de voiture au clap final, c'est peut-être une liberté donnée au réalisateur, amour perdu sans se retourner, laissant place au nirvana, état de conscience supérieur, plus besoin de consommer, depuis le temps qu'on vous le dit. Bon la voiture on aura eu l'occasion de bien l'admirer, l'histoire permet quand même de s'attarder sur son bel engin. Quelques plans d'un véhicule très réactif et sécure, qui tourne vraiment bien, dites donc. Ça sous plusieurs angles, façon explosion filmée à la Michael Bay ou consort. Les explosions ça coûte cher, du coup on les filme sous plein de points de vue, et vu qu'on a tous les rushs, on va pas se priver de les montrer. Ici la cascade n'a pas dû être trop compliquée, et vu qu'il y a du voyage dans le temps, on peut la remonter plusieurs fois. Bref, dans ce film de commande, on sent tout de même un cahier des charges, gros comme le code du travail et celui-là, personne ne se bat pour le réduire. Placement de produits filmés ou film avec placement de produits, on sait plus trop où on en est. En tout cas, ce n'est pas ici un réalisateur qui s'exprime, ou alors drôlement drivé. Des réalisateurs qui font de la publicité ou inversement, il y en a plein d'autres, Marc Romanek, Michel Gondry, Spike Jones, David Fincher. Des artistes aux univers bien à eux qui arrivent à exister dans un cadre capitaliste sans perdre leur identité sans doute, comme ce film de Gondry réalisé avec l'iPhone, pas un iPhone mais l'iPhone, le seul, l'unique, ça change tout. Certes la Convention veut qu'on mette un film d'eux, mais pour Gondry il y a un seul film tourné au téléphone, et des iPhones il y en a plein. Le film de Gondry réalisé avec un iPhone serait plus juste. Mais quand c'est mis en avant à ce point dans le film, au début, à la fin et sur des affiches géantes dans la rue, promotion qu'il n'a peut-être jamais eue pour ses films à lui à la caméra anonyme, c'est que ça doit vraiment valoir le coup, ce film. Qui n'est pas un long métrage, mais ça faut pas le préciser, c'est connu, les courts métrages n'attirent pas grand monde. Technique similaire à Volvo, sans l'objet dans la publicité, car c'est la publicité, l'objet est lui-même l'outil entre Gondry et le spectateur caméra low cost quand même assez chère, nous rapprochant un peu de lui, et même si on trouve du brio aux divers artistes évoqués, aux sujets forts traités finement, leurs discours débordent rarement du monde capitaliste. Ils viennent pour beaucoup d'entre eux du clip, qui est en soi assez proche d'une publicité au niveau des techniques de montage et de réalisation, sans en avoir forcément les défauts intrinsèques. On reste dans le moule d'une classe sociale globalement aisée, et ce n'est donc pas étonnant que leurs discours ne remettent pas ou très peu en question le monde libéral. Difficile d'imaginer un futur comme celui du film Heure, à profusion technologique, dont les ressources notamment en métaux rares manquent déjà aujourd'hui, sans parler des dégâts écologiques liés au consumérisme toujours en force dans ce film, au futur pas loin voire très proche, bref des choix qui donnent plutôt au monde décrit ici, quoique ressemblant aux sociétés riches actuelles, une couleur de science-fiction plutôt qu'anticipation réaliste. Pas si étonnant de la part du réalisateur Spike Jones, qui a aussi fait ce court métrage pour Apple, encore eux, avec FK Twiggs en actrice principale, encore elle. Waouh, tout fait enfin sens. Donc ce n'est pas si subliminal que ça, in fine Ici, pod est bigger than life, ouvre votre espace et votre esprit, vous redonne confiance en vous. Vous, trentenaire, urbain, petit bourgeois, dépressif, métro, boulot de merde, dodo, Apple est là pour redonner des couleurs et du sens à votre vie. Qui n'en a plus, notamment grâce à eux, sans doute. Tout ça n'est pas forcément calculé. FK à Twigs, Michel et Augustin, comme M Jourdain font peut-être de la nouvelle langue sans le savoir. Et dans une société où l'art est inconsommable comme les autres, rien de moins étonnant. À l'exemple de Chip Zell, musicienne de Chiptune, musique encore marginale, créatrice de bandes son de jeux vidéo indépendants, qui explique qu'il est naturel pour un nerd de la fin des années 90 de devenir auto-entrepreneur. Que le marketing est naturel à ceux qui ont grandi avec Internet. Si la lisière entre œuvre et produit n'est plus évidente, c'est aussi que les acteurs glissent du cinéma d'auteur au produit. L'acteur Willem Dafoe développe par exemple sa carrière entre œuvre et produit, pub, blockbuster, jeu vidéo. C'est poreux parce que les acteurs de l'art acceptent de basculer dans le produit et que nombre d'artistes baignés de culture publicitaire sont, semble-t-il, prédisposés à faire de l'art très produit, comme on l'a vu, à l'exemple de Jean-Paul Gould, des carrières marquées à vie par la publicité en filigrane. On veut paraître rebelle, on reprend les codes encore dérangeants mais acceptés par une part de plus en plus grande de la société, qui perdent donc de leur valeur déstabilisante et surtout de leur sens, et on intègre les phénomènes émergents ici ou là parce que, les structures sont structurantes certes mais aussi évolutives et si un phénomène social non cadré se dessine véganisme par exemple on trouvera le moyen de le récupérer comme on a pu le voir précédemment avec le burger vegan de McDonald's c'est la force du capitalisme qui laisse vivre des opinions diverses et contradictoires tant qu'elles ne sont pas trop dérangeantes So, what Absolutely. are you whining about? This is, we are allowing you to speak, and I don't Fine. see any thought control. First of all, I haven't been saying, I haven't said one word about my, keep, my being kept out of the limelight. There is a system of shaping, uh, control, and so on, which gives a certain perception of the world. I gave one example. I'll give you sources where you can find thousands of others. That's, and it has nothing to do with me. It has to do with marginalizing the public and ensuring that they don't get in the way of elites who are supposed to run things without interference. classe sociale dite supérieure où les métiers dits artistiques sont tendances, acteurs de l'industrie artistique ayant intégré cette vision soit cyniquement, soit sans le savoir, fausse ou vraie naïveté. En tout cas, ça reste le vieux schéma de la commande, du mécénat. La nouvelle religion, c'est la publicité pour des produits de qualité, entre guillemets. Aujourd'hui, il y a une notion de consommation artistique, et la publicité n'est peut-être que le reflet d'une production artistique gigantesque. Art et publicité se confondent et s'influencent l'un l'autre. Entre produits artistiques, cinéma et jeux vidéo, nécessitant souvent de gros budgets, la notion de produit s'entremêle de fait avec celle de l'art. On ne fait plus la différence, à l'image de ces stades, salles de concert ou encore musées, au nom de grandes marques. Si la distinction entre les deux se perd, c'est aussi parce que les objets artistiques sont pensés comme des produits, et c'est sûrement pour ça que la publicité dérange de moins en moins, et avec le besoin gargantuesque de signalétique in et hors publicité, de communication en général, qui est plus ou moins le nouveau nom de la publicité. Il y a besoin d'artisans pour combler la demande en savoir-faire au moins technique. Artisans rêvant peut-être de filières plus artistiques, alors si on peut mélanger les deux, pourquoi pas, non D'ailleurs, l'art n'est pas exempt de manipulation. Un cut, cadrage, mouvement de caméra disent des choses et donnent un point de vue, qui pour explorer un ressenti, des perceptions propres, relève d'une certaine honnêteté sans doute, mais... Vendre un produit même de manière classe, habillage élaboré, formellement original, ne nécessite pas d'honnêteté, surtout si les moyens sont grands et que la lisière avec œuvre d'art est mince. Consommation artistique, donc, ou signe de temps de cerveau disponible d'une époque de divertissement sûrement plus très longue vu l'état du monde et de notre mode de vie qui risque de se détériorer considérablement, il est peut-être aussi temps de commencer par changer notre manière de consommer l'art, arrêter d'utiliser le mot « consommer ». Bien sûr, l'art c'est prestigieux, d'autant qu'on fait appel à des figures reconnues, ça fait bien sur le CV, la publicité pourrait prétendre au titre de 11e, 12e ou énième art, c'est culturellement acceptable pour mieux se vendre à ceux qui pensent être au-dessus d'elle, ne pas subir son emprise, et ils sont au final intégrés, car la publicité est dorénavant ouverte à la contemplation décontractée sans réserve, en ajoutant l'art à son tableau de chasse. Il y a sûrement tous ces pauvres trop cons pour se faire berner par la publicité contrairement aux artistes qui, eux, l'utilisent, mais il y a aussi donc ceux qui contemplent ces publicités par ricochet, bien au-dessus de tout ça, mépris de classe qui s'ignore, atteint de la même surdité, aliénation peut-être même plus insidieuse, c'est notre sens critique qui est touché, notre vision du monde, notre façon de l'appréhender, syndrome d'une classe sociale s'attachant des symboliques révolutionnaires ou d'émancipation, contre-culture qui en a juste l'apparence, et encore, société du spectacle, quand tu nous tiens la publicité dont le but évidemment est de détourner nos désirs pour les diriger non pas vers l'action politique, la rencontre de l'autre ou l'amour ou la sexualité, mais essentiellement vers des actes de consommation de biens et de services. Exemple, si vous voulez devenir super viril ou éventuellement super féminine et en plus super anarchiste, eh bien la meilleure solution c'est bien sûr d'acheter ce déodorant Axe Anarchie. Époque bizarre où beaucoup se rêvent artistes, oubliant que sortie des stars, c'est pour beaucoup d'entre eux une vie difficile voire fauchée. Mythe de l'artiste heureux à la vie de Bohème ou de l'artiste maudit, à vous de choisir. Bref, artiste publicitaire ou écologie libérale, c'est toujours la question de l'apparence et du paraître avant tout. Mais bien sûr, la responsabilité est plus grande quand on fait partie de ceux qui produisent. L'artiste publicitaire est peut-être au fond le paroxysme de l'artiste engagé, engagement regrettable à nos yeux certes. Si on devait s'adonner à l'exercice douteux de définir l'art en un seul mot, ce serait peut-être communiquer plutôt qu'esthétique ou beauté, quoi que ça veuille dire. Cinéma, livre ou jeu peuvent effrayer, raconter une histoire, immerger dans un monde complexe, pousser à la réflexion, etc. etc. Le point commun serait d'essayer de communiquer quelque chose, partager une émotion, discours. Perçu ainsi, la publicité serait peut-être bien l'expression formelle la plus centrée sur la communication, mais uniquement pour vendre un produit et fidéliser. En art, la notion de produit n'est pas inhérente. En publicité, c'est le moteur même. Par définition, si on enlève le produit, ce n'est plus de la publicité. Par contre, si on enlève le placement de produit d'un film, il y a encore un film. Sauf si, évidemment, celui-ci intègre la publicité à son récit, au discours, à l'œuvre, comme pour The Greatest Movie Ever Sold documentaire critique de la publicité payé par celle-ci, mais c'est une exception. En général, une fois la publicité retirée, il reste l'art, et c'est peut-être son lien le plus fort avec l'art sa négation même, son inverse, l'anté-arté. Comme propriété artistique inhérente à la publicité uniquement, il pourrait y avoir l'effet de surprise créé entre le clip publicitaire et la découverte du produit vendu, par exemple avec Chris Cunningham pour la PlayStation, propriété proche d'une chute de court-métrage ou de nouvelles. Effet de surprise qui, encore une fois, si on enlève le produit, n'a rien de très original. Le jeu vidéo, bien qu'il soit comme la publicité un support et un objet, un mélange de divers artisanats et arts, graphisme, musique, cinéma, il possède des propriétés uniques qui le définissent en tant qu'art. Le lien au toucher et l'interaction en découlant, présente de manière sporadique dans les livres dont vous êtes le héros, permettant toute une grammaire et des fonctions propres à ce média, gameplay, game et level design, etc pour des possibilités narratives et sensorielles inédites, bien loin de ce que la publicité peut se vanter de détenir. Cette dernière est pourtant largement moins attaquée pour l'aliénation qu'elle provoque que le jeu vidéo, longtemps marginalisé médiatiquement comme le cinéma la bande dessinée selon époque, et dont l'aliénation supposée est exagérée à outrance. L'art a encore une autre propriété intéressante rapportée au domaine publicitaire. Il se suffit à lui-même et n'a pas besoin de raison. Si on décide que c'est de l'art, s'en est disait Duchamp, ou tout art est parfaitement inutile, dixit Oscar Wilde. C'est quelque chose d'immanent et qui n'a pas à souffrir le jugement de valeur. On peut juger un produit en termes simples, bon ou mauvais, par exemple. C'est ce que le produit appelle au-delà de sa consommation. Il engage une question qualitative. L'artisanat se situe entre les deux, mais face à une œuvre d'art, on n'a pas à raisonner en bien ou mal, bon, beau ou laid. On n'y est pas forcé. Même si l'industrie du cinéma ou jeux vidéo sont aussi par définition une industrie il y a un intérêt devant l'expression humaine de quelque chose, consensuel, choquant ou autre. L'effet majeur de l'art, c'est qu'on regarde un artiste, un homme mis à nu, et ça bien sûr la publicité en a l'usage. Le fait que le jugement de valeur devienne caduque, éthéré comme l'art lui-même, qui ne prétend pas à l'exactitude, même si elle s'en fout, la publicité, qu'on aime ou pas telle réclame, tant qu'on s'en souvient au moment de faire ses courses, le fait de paraître immanente, naturelle, de paraître art, donc, si elle décide de l'être, révolutionnaire à sa façon, tout ça est évidemment aussi à son avantage. D'ailleurs, le fait d'être original est parfois contre-productif car en publicité, on doit retenir la marque et si le spot est trop éloigné de l'objet à vendre, les spectateurs ne feront pas forcément le lien, en gros, plus c'est artistique, moins on retient peut-être le produit. Bref, l'art n'est pas que formel, c'est aussi politique. La publicité infiltrée partout, ça commence à se voir, les habits se déforment telles les adaptations de contes Disney qui aseptisent leurs matériaux d'origine, et de même que tout ne peut pas s'intégrer au capitalisme sans se dévoyer, comme on a pu le voir de l'écologie, l'art dans certaines de ses fonctions n'est pas compatible avec la publicité. Quelle sorte de ces formats classiques pour prendre une place de plus en plus grande dans tout ce qui nous entoure, jusqu'à de nombreuses formes artistiques, ça n'est pas surprenant, mais cela la rend encore plus puissante et dangereuse, L'intégration de l'art à son langage s'est sûrement faite en partie en conscience d'un besoin de renouvellement pour vendre la soupe des annonceurs. Peut-être que l'artiste à succès a parfois quelque chose de l'homme politique ou du simple carriériste, amené à faire des compromis, orientés, calculés, pour mieux s'implanter, plaire, etc. Tout ça que David Lynch décrit et critique dans le documentaire The Art Life, disant qu'on ne doit pas se préoccuper du résultat des critiques parce que l'art, ce n'est pas du produit. Et qui, d'un autre côté, fait de la publicité pour vendre des produits qui, eux, seront considérés en termes de qualité et pour lesquels on tiendra compte des retours de consommateurs. Optique radicalement opposée qu'on retrouve intrinsèquement dans des œuvres coûteuses. Il faut un retour sur investissement et ça en change forcément le discours et la portée, même si on peut noter des exceptions. Art ou produit, ce sont aussi des humains aux multiples vocations derrière. Ce qui compte, c'est la motivation souche d'une œuvre. On a beau reconnaître la complexité et parfois le choix difficile des compromis pour faire entendre sa cause, lorsque la cause c'est notre propre image, parcours professionnel et porte-monnaie, le choix est moins défendable, surtout lorsqu'on cautionne une industrie comme Nike, Disney ou Apple. La place de l'art n'a jamais été aussi grande quantitativement, mais il ne faut pas laisser cette place à la publicité, et encore moins au produit, car le pernicieux avec la publicité qui se veut « art », c'est qu'elle va essayer de toucher le plus de monde et n'être que l'écho des tendances du moment, voulant faire le moins de vagues pour plaire au plus de monde possible, ou choquer pour faire le buzz, qu'on parle de la vague et non véhiculer une idée. Mais même cela, ça reste marginal. C'est rarement hors des clous ou positionné politiquement, comme avec Ben Jerry, dont on a également vu les limites. Bref, la publicité, ça reste le triomphe du consensuel, sauf qu'en « art », il y a en partie un besoin de ne pas plaire à tout le monde, faire bouger les consciences, parfois au prix de la popularité des créateurs, ou encore un besoin impérieux d'expression libre, et la publicité ne peut pas, ne doit pas prendre cette place. À leur époque, les impressionnistes ont mis du temps à se faire accepter, le dadaïsme a choqué avant de rentrer dans les mœurs, bref, l'art n'exige pas de success story, il est simplement ce qu'il est. Gainsbourg disait, quand tes parents disent que c'est bien, c'est que c'est de la merde. Ça marche peut-être encore mieux en remplaçant parents par publicité. En même temps, Gainsbourg a aussi fait de la publicité, notamment pour la marque Magie évoquée dans l'intro, mais bon, on n'est plus à une contradiction près. Magie, magie La nouvelle façon de souper Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour les conseils de visionnage, il y a donc The Greatest Movie Ever Sold les films dingues de David Lynch et de Michel Gondry on le préfère clairement là que sous la tutelle d'un smartphone. PS, Michel et David, on vous aime quand même. Et évidemment, faites le mur de Banksy, sur la citation duquel on vous laisse. Les publicitaires t'ont jamais demandé la permission, ne demande pas la leur.